Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par les démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces maux viennent du diable et notre Père céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions. Parce qu'il y a la puissance de Je suis qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par votre connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien. Il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main, là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, sur la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses. Nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps, c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas
concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. L'esprit de mort au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire normalement. Je dis respire normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffre du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements, des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux et la foi que le Seigneur te guérit, commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH, ayez la foi que vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé au nom de Jésus. Tu es guéri et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. Au partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés. Mais le Seigneur brise le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui a de prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué. Tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Toute une famille qui est ensorcelée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lient cette famille. Au nom de Jésus. Je
neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée. Maintenant même, vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a mis dans ton corps sort. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière, tu es tombée par terre. Je donne à ses esprits de sortir de son corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont pris. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a de pleurer. Chaque fois que tu mets la main sur le ventre, tu es découragé. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer, et la foi, proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre des migraines. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne citais pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens, tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a 3 personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es l'hépatite B et l'hépatite C, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Et la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, et la foi. Lâche tes béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Et la foi. Toi qui souffres de la VC. Il y a quelqu'un qui souffre de la VC. Lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre. Au nom de Jésus, tu trembles par terre. Au nom de Jésus, le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez, je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur. Au nom de Jésus, sois délivré. Alléluia. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur est en train de
vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait des fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher. Prends la main de cet enfant. Que cet enfant marche. J'ai dit, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer. Si tu souffres du cancer et la foi au nom de Jésus, proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. L'une des deux personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que ce poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période des menstruations. Vous avez beaucoup de douleurs. Mettez vos mains sur le bas ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. J'ai dit, tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance, Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par des démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces maux viennent du diable et notre Père céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions. Parce qu'il y a la puissance de Je suis qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par votre connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien. Il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main, là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, si la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses. Nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libre. Père, les enfants de Dieu, au nom de Jésus, fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui a envie de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Tous ces démons n'ont pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans, il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans, il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas
pas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. L'esprit de mort au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci, merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit lève-toi au nom de Jésus, que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire normalement. Je dis respire normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements. Des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux et la foi que le Seigneur te guérit, commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH, ayez la foi que vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé au nom de Jésus. Tu es guéri et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. Au partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas-ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations. Que cette douleur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés. Mais le Seigneur brise le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui a dû prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué. Tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Toute une famille qui est ensorcelée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lient cette famille. Au nom de Jésus. Je
neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée, maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a mis dans ton corps sort. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière, tu es tombée par terre. J'ordonne à ces esprits de sortir de son corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre, tu es découragé, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer et la foi, proclame la victoire. Remets-tu le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre des migraines. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne citais pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens, tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a 3 personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es l'hépatite B et l'hépatite C, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Et la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, et la foi, lâche tes béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Et la foi, toi qui souffres de la VC, il y a quelqu'un qui souffre de la VC, lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille, tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi, le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez, je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus. Sois délivré. Alléluia. Quitte son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur te
de vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus, proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit, tu es sur le lit, tu souffres beaucoup, tu as beaucoup de douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus, reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Et même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. J'ai dit, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant, aie la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, aie la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de bouton. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. L'une des deux personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que ce poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses. Pendant la période des menstruations, vous avez beaucoup de douleurs. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. J'ai dit, tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance, Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.